la Et on revient sur cette enquête du magazine Marianne sur les consultants, certains consultants qui se seraient goinfrés chez EDF quand Henri Proglio était aux commandes du géant de l'énergie. Marc Andevelle, bonjour. Bonjour. Grand reporter à Marianne, c'est sur la couverture, on le voit. Enquête exclusive sur ces consultants qui se goinfrent, court-circuit à EDF. EDF est dans le collimateur de la justice, le parquet national financier a ouvert il y a cela, plusieurs mois mm. euh, une, une, une enquête, une vaste enquête, euh, qui vise qui, qui vise des, des prestataires, prestataires donc extérieurs à EDF. Tout ça se passe pas aujourd'hui, mais sous l'ère Proglio, il faudra oui. donner un peu, un peu les dates. Qu'est-ce que recherchent les, les magistrats financiers, pour le coup, du parquet financier Alors, euh, il faut revenir au, à l'origine. L'enquête, elle a été euh, diligentée par le parquet national financier, suite à un signalement de la Cour des comptes. Ah oui c'est pas un corbeau, hein, c'est la Cour des comptes. C'est la, hein. la Cour des comptes qui signale, on va dire, des dysfonctionnements, des imprécisions concernant certains contrats de prestation. Et c'est des contrats qui concernent des, 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 des prestations de communication, de lobbying, de conseils euh, stratégiques, mais également euh, des contrats en communication, mais également des contrats avec des sociétés de renseignement, de renseignement privé, d'intelligence économique. Et c'est effectivement euh, la période qui concerne le mandat d'Henri Proglio de 2009 à 2014. Et effectivement, euh, le euh, parquet national financier euh, bah, met tous les moyens. Pour investiguer euh, sur cette période-là. Mais qu'est-ce qui serait reproché pour le coup à ces conseillers, ces ah, avocats, les magistrats, conseillers mais... du CAC 40 éminents pourra donner des noms tout à l'heure. Mais euh, qu'est-ce qui, qu qui leur est reproché les, les magistrats, pour l'instant, euh, se demandent s'il s'agit d'un côté de contrats de complaisance et soupçonnent des faits de favoritisme. Donc, c'est pour son... ça, c'est deux choses différentes. Pour le oui, c'est pour ça que les enquêteurs euh, ont décidé de procéder à de nombreuses perquisitions. Donc, il y a eu des perquisitions à EDF. En mois de février dernier, au secrétariat général et à la direction de communication, et à, il y a Paris. Eu, à Paris. Et, à il y a eu, et il y a eu euh, des dizaines de perquisitions au mois de mai, le 10 mai exactement, euh, quelques jours après l'élection présidentielle, qui touchaient et qui concernaient différents prestataires, effectivement. Et, euh, -ce, pardon, je coupe. Qu'est-ce qu'on appelle contrat de complaisance Pardon, c'est pudiquement, c'est quoi il n'y a pas eu de travail derrière, c'est ça Soit il n'y a pas eu de travail derrière, soit les missions euh, liées à ce contrat-là sont éloignées euh, des, des missions de l'entreprise et de l'intérêt social de l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, euh, est-ce que ces contrats-là étaient liés aux activités de l'entreprise ou étaient liés à d'autres euh, missions, d'autres activités Mais le, le fond de l'enquête, euh, c'est surtout euh, des contrats qui ont été euh, euh, réalisés autour de la filiale italienne euh, d'EDF, Edison. Mmh. Edison, je rappelle, groupe d'énergie italien de gaz et aussi dans l'électricité, qui a été racheté par EDF entre 2010 et 2011, et sous la période d'Henri Proglio. Et le, le fond de l'enquête, c'est au niveau de la filiale italienne Edison. Donc c'est vrai que. Les enquêteurs ratissent large, et c'est pour ça qu'il y a plein de beaux mondes, entre guillemets, dans le petit Paris qui ont été perquisitionnés au mois de mai dernier. Qui était, pardon, coupe, qui était perquisitionné Par exemple, le consultant Alain Bauer en sécurité euh, il y a des consultants en communication qui ont été également perquisitionnés, y compris sous la période de Jean-Bernard Lévy. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Bernard Lévy, l'actuel PDG du groupe, n'a pas voulu tout de suite mettre un terme à tous les contrats. Pour ne pas payer d'indemnité. Parfois, ça coûte plus cher. Mieux vaut laisser le contrat courir jusqu'à son voilà, fin pas le renouveler. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. il a préféré euh, laisser les contrats jusqu'à leur terme pour ne pas les renouveler plutôt que de les interrompre. Et donc, effectivement, les enquêteurs ont également débordé sur la période de Jean-Bernard Lévy et sont intéressés également à Anne Méo, actuelle, euh, une actuelle euh, prestataire pour Jean-Bernard Lévy, euh, juste après euh, la période d'Henri Proglio. Mais en fait, le fond de l'enquête, c'est sur la période d'Henri Proglio. Bon, les contrats qui sont, qui sont épluchés donc sur cette période 2009 2014 qui est l'ère proglio euh, ça porte sur c'est ça dizaines de millions d'euros Oui, en fait c'est une dizaine de millions d'euros dans ce qu'on euh, a rapporté et aujourd'hui pour vous donner un ordre de comparaison euh, la direction euh, la présidence de DF a environ 5 contrats pour une centaine de, millions de euh, milliers d'euros donc on est sur des rapports. Totalement différent. Euh, entre la période précédente et celle actuelle, il y a quand même, euh, une, on va dire, euh, d'un côté il y a une quarantaine de prestataires, une dizaine de millions d'euros. Mmh. De l'autre côté, euh, le ménage a été fait par Jean-Bernard Lévy, c'est ça que vous me dites. Hein. En tout cas, c'est le retour <laughs> que j'ai eu du côté de la direction actuelle d'EDF. Pourquoi cette enquête est de nature à, à faire trembler, sont les mots que vous écrivez, à faire trembler le, le tout pari des affaires, on a cité effectivement le criminologue, mais on n'est pas là pour l'incriminer ou d'autres agences de communication. Pourquoi bah Parce que ça concerne énormément de gens au cœur du pouvoir, au cœur du pouvoir de l'influence entre différentes entreprises d'ailleurs avec aussi d'influence entre les grandes entreprises du CAC40 et les pouvoirs publics et effectivement euh, disons que ça fait tâche euh, dans un univers où on est plutôt dans le secret, on est plutôt on essaie d'avoir une bonne réputation et donc l'action de la justice, on va dire, est spectaculaire, parce que là, je rappelle, c'est une quarantaine de prestataires qui, qui sont concernés par l'enquête. Notamment dans et sa politique, et non, politique euh, ouais, euh, du réseau euh, plutôt de gauche. de Oui, alors notamment, il euh, y a euh, en, Alexandre Medvedowski euh, de la société ESL Network, euh, une, une société d'intelligence économique qui a été perquisitionnée au mois de mai dernier. Et effectivement, Alexandre Medowski euh, est dans les réseaux de la nef euh, Fabusien des Bouches du Rhône il y a très longtemps, hein, ça remonte à 20 ans. C'est les vieux dossiers, ça. C'est <laughs> les vieux dossiers. Ce qui est très intéressant sur la période d'Henri Proglio, moi, je ne suis pas là pour dire était ces contrats étaient justifiés ou pas justifiés. C'est à la justice de, de se déterminer euh, après enquête. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que sur cette période-là, il y a des anciens noms des affaires ou de la politique, des anciens réseaux des affaires et de la politique, c'est-à-dire des années 80 et des années 90, mmh. parfois proches du Parti socialiste, parfois proches aussi euh, du RPR euh, à travers la Compagnie Générale des Eaux. Et donc, par exemple, euh, quand j'évoquais le dossier Edison, la personne qui était en avant sur ce dossier-là, c'est Loïc Lefebvre-Prigent, qui a été conseiller international d'Henri Proglio euh, entre 2010 Ancien et 2014. Président Elf. Ancien président d'ELF qui a été mmh. poursuivi sur l'affaire ELF, bien sûr, comme on sait, dans les années 90. Et effectivement, c'est tout un tas d'interrelations de ce milieu des affaires. Mmh. Mais en même temps, pardon, en même temps le, le Edison, quand c'est racheté, alors je n'ai pas les montants en jeu, mais on est en milliards, le fait qu'il y ait quelques dizaines de millions d'euros qui passent en, pour euh, avoir des communicants qui vous aident ou des, du conseil, je ne sais pas, pour les défendre, je pose la question, c'est anormal Là, sur la justice, enfin, sur le dossier judiciaire, ça concerne effectivement les prestations qui ont été réalisées au niveau d'Edison, c'est-à-dire les contrats ne sont pas remontés à la maison mère. EDF, mais mm. ont été euh, contractés au niveau de la filiale. Et là, les montants, on, on, moi, je n'ai pas la, le chiffrage exact mm. de ces montants, de, de, de ces contrats-là. Ça pourrait être peut-être des montants plus importants, en fait, sur cette partie-là du dossier. L'enquête nous dira ou pas. On finit là-dessus. On voit Henri Proglio. Il a de quoi être inquiet, vraiment Moi, c'est ce que certains de mes proches, enfin, de mes de, proches, de, 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 des proches Henri Proglio m'ont expliqué. Euh, ils ils m'ont expliqué. Euh, qu'il était inquiet par, en tout cas, la, le caractère démonstratif et spectaculaire de l'enquête. Après, ensuite, euh, suite euh, notamment à la publication du papier, d'autres m'ont expliqué qu'en gros, ils prenait ça euh, euh, d'une manière sereine. Donc, bon, là, on est plutôt dans euh, le storytelling de crise. Euh, euh, les uns vont dire, euh, oui, est, il est inquiet, mais en fait, c'est vrai que c'est plutôt l'entourage. D'Henri Proglio, qui est également inquiet, parce que d'une certaine manière, c'est beaucoup de lumière et beaucoup d'inquiétude, parce que c'est les moyens judiciaires oui. qui arrivent. Ce n'est pas de la bonne lumière. Hein. Ce n'est pas de la bonne lumière, voilà, tout bon. à fait. Voilà, donc c'est l'enquête de cette semaine donc, de Marianne à retrouver en couverture sur ces conseillers qui se seraient goinfrés donc, euh, chez EDS ou l'air Henri Proglio, avec le Parquet national financier qui va poursuivre ces investigations. Oui, occasion. oui, euh, mais pour l'instant, on est toujours dans le cadre d'une enquête préliminaire. Enfin, dans une enquête préliminaire, absolument. Merci Marc Andevel. Merci.